Coucou tout le monde, alors j'avais promis à Nadia hier que je lui ferais une petite carte avec les tamponnages. Donc comme celle-ci je l'avais faite, je vais en faire une carte. J'ai envie de prendre ce papier. Donc du bloc de chez Nose là, à 2 euros. Hein. Je trouve que cette jeune femme elle est plutôt parisienne. Donc je vais le couper un petit peu. Donc là j'ai pris une base de cartes de chez Action, les enveloppes craft. Je vais en couper un morceau. Très bien ce petit massicot, franchement. Pour 1,59€, ça vaut le coup. Alors, j'ai fait les soldes. J'ai acheté en scrap ces petites choses. Donc c'est de chez Stamperia. C'est un distresseur. Et je l'ai eu à 40% de 2,51€. Donc je l'ai déballé, mais je ne m'en suis pas encore servi. Tout simplement une lame. Hein. Vous savez que moi je le fais d'habitude avec le ciseau comme ça. Je vais voir ce que ça rend. C'est quand même différent du ciseau. Ouah, ça coupe bien quand même. Mais bon, ça doit pas être éternel ça. J'arrive pas très bien à le prendre en main. D'habitude, j'arrive mieux, surtout pour les angles. Ouais, ça donne un petit peu un genre différent. Bon, c'est pas mal, hein, ça ressemble au ciseau, hein, franchement. Bon. Je l'ai, je vais m'en servir, mais c'est pas d'une nécessité absolue. Si vous n'en avez pas un, bon, le ciseau fait la même chose, je trouve. Ça déchire moins que le ciseau. Avec le ciseau, on peut déchirer un peu plus le papier, quoi. Donc, tant que j'ai ça là, je vais ancrer les bords aussi en même temps. Je le fais à l'arrache comme ça. Sinon, j'ai reçu l'autre fois mon... Où est-ce que je l'ai mis? Là. Mon petit applicateur de Ranger. Moi. Voilà. Donc, je sais pas si vous le voyez bien, c'est noté dessus Rue Saint-Honoré à Paris. Comme je la trouve plutôt parisienne. Je pense que je vais la mettre comme ça. Alors j'avais ce petit tampon que j'avais trouvé dans une boîte comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins Max Plus. Ils ont souvent des boîtes rondes comme ça. En ce moment, c'est les Schtroumpfs. Donc je n'ai pas pris. Donc j'avais pris cette boîte, c'était Paris. Et peut-être que je pourrais mettre Métro derrière elle, comme ça. Ce petit mannequin, mais ça va gêner, ou alors je le mets comme ça. Et là, comme ça, j'ai un sentiment. Ouais, je vais faire ça plutôt. Voilà. Donc, je vais tamponner à la Versafine. Comme c'est noir ici, je préfère mettre en noir. C'est des tampons, en fin de compte, ça pour faire du textile. Pour faire des trucs sur le textile. Alors celui-là, je m'en suis jamais servi, il est tout neuf.
c'est l'occasion de le tester. Pas mettre non plus trop d'encre parce que je voudrais que ça fasse un petit peu vieilli. Donc si je mets une encre tout neuf, tout beau. Alors, je vais essayer de la mettre là. Nickel. Vous en pensez, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que tu en penses, Nadia? Et cette petite bonne femme, bah, j'ai mis derrière plein de petits double faces. Je me suis avancée pour la vidéo parce que c'est pas très intéressant de voir mettre du double face. Déjà de l'enlever. En plus, celui-là, je sais pas pourquoi, il est mou. On dirait même presque qu'il fond. Et puis, il colle au doigt. Plus grand chose. Voilà. Donc ma petite nénette, je vais la mettre devant mes trous. Je vais me lever parce que voilà qu'on voit bien mes trous. D'ailleurs, si je la faisais même dépasser un peu, je vais la mettre là. Non, je vais la mettre là, je vais la centrer. Voilà. Elle va masquer un peu le papillon là, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai retrouvé ça aussi que j'avais acheté chez Nose. Je vais enlever le Lady. Bien que c'est marqué tout en français, ça m'embête de mettre un Lady. Shop. Sale. Bah non, je vais pas l'utiliser au final. J'ai reçu de chez AliExpress les tampons que j'avais attendus pendant je sais pas combien de temps. Donc je vais en mettre un au dos de ma carte. J'ai envie de mettre celui-là. Je range tout de suite parce que sinon... Alors donc c'est les tampons de chez AliExpress. Je vous avais parlé l'autre fois que j'avais pris des tampons où à l'intérieur c'était creusé, le caractère est creusé. Et bien là c'est pareil, regardez. Le caractère est creusé sur l'impression du plastique. Mais à vrai dire quand vous le tamponnez c'est plein. C'est un détail mais bon. Mais à la limite je le trouve plus joli plein. Voilà. Voilà. Mettre un peu de couleur. Donc ça c'était des boutons que j'avais trouvé chez Nose. En plus avec le mannequin, j'ai envie d'en mettre un vert. C'est pas mal le vert là, non? Laisser rue Saint-Honoré. Alors si j'avais eu une petite ficelle, mais je vais en trouver une, j'éteins deux secondes la caméra. Alors, j'ai trouvé cette ficelle et du coup j'ai mis de la ficelle sur mes boutons. Je trouve que ça apporte un petit côté textile en même temps. C'est normal, ça fait Paris, ça fait mode. Donc je vais coller mes petits boutons là. Ça, ça
c'est un petit bouton carton. Après que je laisse Saint-Honoré, ben je vais mettre là. Voilà. J'avais aussi ce petit tampon. Faire l'arrondi là, que ça fasse plus joli comme ça. Ah, tiens, je vais mettre une petite attache parisienne avec, en faisant que les idées viennent, hein. Voilà, je vais laisser comme ça. Voilà, du coup il est bien sec et je vais le mettre là, tiens, en dessous. Ça me fait un peu petit comme place. Je vais mettre là plutôt. Je vais mettre une petite attache avec. Donc, pour rester dans les tons, tiens. Une petite attache bleue. Mon petit pic-pic. J'essaye de me dépêcher parce que je peux pas faire de longues vidéos. Voilà, voilà. Alors, bah elle est collée maintenant. Donc, je vais essayer de ne pas me louper. Je vais essayer de la mettre là, on va dire. J'aurais dû mettre mes lunettes pour faire ce genre de truc. Hein. Voilà. Voilà. Et je vais essayer de ne pas trop me louper là à peu près. J'essaie de faire une petite marque. Alors, bah, je vais passer sous la robe. Oups. Ça fait un peu juste, mais bon. Ça ira comme ça. Voilà. Votre parisienne. Mon bouton qui s'est déplacé, du coup. Voilà. J'ai plus qu'à coller ma carte, ça fait une petite carte sympa. Ici je vais mettre un petit sentiment, peut-être amitié, parce que bonne année, pas trop. Alors j'ai une planche, une des premières planches que j'avais achetées chez Artemio. J'avais sourire, Léna, j'avais un mot amitié, mais ça se colle pas bien. Amitié, le voici. Je l'ai vu. Il est là. Donc, je vais mettre ça. Hop, ça. Je vais le tamponner directement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je n'ai plus de batterie. Je vois que ça clignote. Donc, j'aurais pu mettre encore de la 3D derrière. Mais bon, comme ça, ça sera suffisant. Voilà.
Donc demain, j'en ferai une autre avec les grands tampons. Bon. Nadia, si tu la veux, ben il y a mon mail en barre d'infos. Elle est pour toi. Ça me fera plaisir. Voilà. Et bien sur ce, je vais aller manger. Au revoir.